Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester, vous l'avez bien vu, une enceinte de la marque Silvercrest, une enceinte Bluetooth idéale pour une utilisation en extérieur. Donc une petite enceinte avec IPX6 Bluetooth TWS, 22 heures d'écoute. 3,5 de prise jack. Elle se recharge en micro USB et 10 watts FM. Donc nous allons la déballer et la tester. La voilà en couleur bleue. Magnifique. À l'intérieur, nous avons les papelards. L'écran papelard, que des papelards, câble mi jack 3,5 vers jack et câble micro USB vers USB. Tout ça, on en a besoin après. Et c'est une enceinte que j'ai payé 13 euros en solde de chez Lidl. Donc voilà. Nous allons la tester. Nous allons l'allumer. Et la tester. Voilà, normalement elle est déjà appairée parce que je l'ai testée depuis un moment. J'avais commencé à la tester quand je l'ai achetée. Donna, c'est ma salade plaisir. Voilà. Je l'ai pas mis à fond, mais bon. Donc en fait c'est une très bonne petite enceinte, en tout cas elle fait des très bons sons, regardez. World so dim, let your light shine from within, no more hatred, let love win. I'm your family, I'm your friend, good to see you, have you been, may he bless you and your kin. Quand je l'ai acheté, je me suis dit que j'étais contre. Déjà d'avance. Elle est intéressante. Tout en tissu comme ça dessus. Et sinon c'est du plastoc. Mais elle est bien finie. Et en fait vous avez plein de boutons. Donc là vous avez le bouton. Je sais pas. À cause des heures. Là c'est pour appairer le bouton plus rapidement. Là c'est pour pause. Et là c'est plus loin pour changer de musique, pour augmenter le volume et baisser le volume. Et là c'est pour. Et là c'est pour allumer et éteindre. Magnifique. Idéal pour l'utilisation en extérieur, le tout wireless stéréo,
stéréo centré entre deux enceintes. De 4 mAh à l'intérieur pour jusqu'à 22 ans d'écoute. Paragone pour un transport facile, protégé contre les projections d'eau conformément à la norme IPX6. Donc ça protège pas de l'eau, des projections d'eau. Après, câble haut et câble de recharge micro USB inclus et elle fait 10 watts. Bluetooth 5.0 est porté jusqu'à 10 mètres. Magnifique. Et on peut mettre deux appareils en même temps. Cool. Et sinon, vous avez la prise jack. Et la prise micro USB en bas. Là. Je sais pas si. Si vous allez voir, prise jack et prise micro USB, là. Je suis conquis. Très bonne petite enceinte. En fait, en gros, je vous la recommande. Les enceintes de chez Lidl, les CR13 ou les écouteurs, ils sont géniaux. Il n'y a pas mieux. On va mettre notre musique, peut-être. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, tu mets un commentaire en dessous de la description, tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui seront en description, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!